Ok, on continue plus ou moins chronologiquement nos discussions de l'époque. Oui. Puisqu'après toutes ces discussions très théoriques, on s'est mis ensemble à faire un atelier de doctoral, tu te rappelles, C'est et à vrai, oui. suivre les doctorants, hein, avec l'idée qu'il y a beaucoup de choses que les gens font quand ils se lancent en thèse où ils n'ont pas au courant ni de méthode, méthodologie, c'est très, très faible, hein. Maintenant, ils commencent à avoir un peu de formation, à l'époque, il n'y avait rien du tout. Et ce dont on va traiter aujourd'hui, c'est qu'ils sont surtout pas au courant du tout des réalités de terrain, quoi, de ce que Oui. c'est que faire un doctorat, et des débouchés après le doctorat, notamment, parce que la plupart de ceux qui font ça pour des raisons professionnelles le font avec en tête le métier d'enseignant-chercheur, maître de conférence et professeur. Et on voulait faire un épisode qui s'adresse principalement aux étudiants de master, master 2. Qui sont intéressés par le fait de faire une thèse en droit pour parler des réalités de terrain de base, des implications que ça représente de faire une thèse en droit. Oui, bien sûr. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer ta thèse? Tiens, on va revoir ça, un vieux souvenir. Alors oui, ben, moi ce que j'aurais aimé savoir, que je ne savais pas du tout, c'est à quel point les opinions que défend en fait le directeur de thèse sont importantes, parce qu'on va souvent être perçu à travers son directeur de thèse. Et moi, par exemple, mon propre directeur de thèse qui était Christian Attias, je l'avais choisi. Bon, simplement parce son enseignement me plaisait, il faisait de l'épistémologie, c'était de la théorie du droit, mais j'ignorais toutes ses opinions politiques, de ses options idéologiques, et qui sont des choses en fait qui en réalité ont beaucoup de poids dans le domaine des enseignants-chercheurs. Et il y a des personnes, il y a des collègues, on le sait, qui sont désignés, de toute façon c'est un enseignement de base de la sociologie, il y a des champs, c'est clivé, c'est comme la Il y a politique, des écoles il y a et des des écoles, trucs. voilà. C'est vrai. Donc, alors pour beaucoup de directeurs de thèse, ils sont juste dans le mainstream. Et donc, du coup, la question ne se pose pas. Ça se pose quand tu as un directeur de thèse qui est en dehors du Oui, mainstream. mais vaut mieux le Il vaut savoir. mieux le C'est-à-dire, savoir. voilà, moi je le savais pas. Pour toi, du coup, c'est un gros Voilà, truc. c'est-à-dire que moi j'ai découvert un peu trop tard que. Bon, je savais qu'il était original, hein, je vais pas dire que j'ai tout découvert, mais disons qu'il était encore plus original et encore plus marqué. Qu'est-ce que tu Ah imaginais? oui, que ce que j'imaginais, et surtout, je m'étais complètement désintéressé de ses prises de position idéologiques, politiques, alors qu'en réalité, je me suis aperçu que même une fois que j'ai été professeur, donc une fois que j'étais agrégé, c'est-à-dire que derrière, j'avais encore ce spectre, c'est-à-dire qu'on m'imputait Tu devais la. défendre les opinions de Christian Attias sur Non, ce mais c'est-à-dire que sujet-là. j'étais présumé partager ses options politiques, idéologiques, alors que c'est pas du tout le Oui, cas, voilà. il y a tout un tas d'exemples, tout un tas d'exemples où c'est pas le cas du tout. Oui, Je sais que bien moi, ça sûr. m'est arrivé, même maintenant de l'autre côté, ça m'est arrivé souvent d'être en désaccord sur des choses idéologiques avec des étudiants, ça les empêche pas qu'ils soutiennent la thèse. Alors oui, alors après, et je pense aussi que c'est important de savoir, l'autre chose en fait qui est très importante pour moi de savoir et qu'on devrait savoir, c'est est-ce qu'on est face à un type de directeur qui défend son école, hein, ou est-ce qu'on est face justement à un directeur qui laisse le champ libre? C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre deux exemples de directeurs qui sont décédés et qui sont connus pour avoir deux visions radicalement différentes, c'est Michel Villet et Gérard Cornu. Par exemple, Michel Villet, bien qu'il soit extrêmement marqué idéologiquement, donc c'est la catholique de droite, juste naturaliste, bah paradoxalement, il laissait beaucoup de liberté à ses étudiants en thèse. Et donc, par exemple, il y a un étudiant en thèse comme Yann Thomas, c'est devenu un très grand professeur autonome en faisant une thèse sur le droit romain. Michel Villet était spécialiste de droit romain, mais il n'a pas eu d'injonction de respecter les idées. L'idée Voilà. du maître, Voilà, du maître. Alors que Gérard Cornu, lui, c'était vraiment, il y avait une manière de penser. Et alors, je tiens un Et est-ce exemple. que c'est parce que Gérard Cornu était plus dans le mainstream, justement, ou pas? C'est pas impossible, Parce hein. que peut-être que parce que moi, ce que je vivrais moi en tant que quelqu'un qui est plus comme Michel Villet, tu vois, qui est pas le même genre d'idéologie, mais qui a des idées très arrêtées, tu vois, sur certaines choses, c'est que du coup, je perçois bien la différence entre ce que je pense et le mainstream, et je vois bien que je veux pas forcer les gens à penser comme moi, parce que c'est un truc qui est très personnel et qui a été acquis par tout un cheminement, etc. Et que je préférais que chacun puisse avoir son propre cheminement. Oui, Tu vois? Alors, si tu as effectivement. l'impression, parce que tu es bien au centre, que c'est la seule bonne manière de penser, en fait, tu vois, à ce moment-là, tu n'as pas l'impression de pluralisme. Comme, tu vois, il y a peut-être le fait d'être dans la minorité,
fait que tu comprends que le pluralisme est important. Alors que si t'es dans la majorité, tu vois pas l'intérêt du pluralisme parce que tu penses que juste que t'as raison. Oui, c'est vrai que c'est un effet paradoxal, ouais. Mais je dirais aussi que ça se reflète dans un style de direction. Ouais. Et ça, je crois que c'est très très important parce que le style de direction, doit correspondre à la personnalité du doctorant. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, je reviens sur Gérard Cornu, donc je tiens l'anecdote de Christian Attias, qui était c'était son directeur de thèse, qui m'expliquait que Gérard Cornu, il obligeait, donc à l'époque, et là on est dans les années 1960, il obligeait en fait à acheter des cahiers à petits carreaux, à sauter une ligne sur deux parce qu'il réécrivait entre les lignes, ce qui lui plaisait pas. Quand on est dans ce style de direction là, en fait, la contrepartie de ce type de direction, c'est qu'en général, ce sont des personnes qui sont, alors ça va d'ailleurs dans le sens de ce que tu dis, qui sont bien installées institutionnellement, qui ont des positions puissantes et en fait, en gros, si on conserve la pensée du maître ou l'école qu'il défend ou les idées qu'il défend, eh bien en fait on aura une place dans sa maison, on aura une place dans l'université, ça nous permet de glisser sur le premier truc qui est le truc le plus important dont il faut parler, en gros, qui est la carrière dans laquelle les gens veulent se lancer quand ils veulent faire une thèse. Et là tout de suite, premier truc dont on parle que les gens n'imaginent pas, c'est que vous voulez être enseignant. Mais vous imaginez pas que il peut y avoir des écoles en fait, et que pour l'instant vous devriez pas faire partie d'une école dans le master 2. Ça devrait pas vous venir à l'esprit, mais peut-être que sans le vouloir vous allez vous retrouver pris dans un combat d'école et pris, etc. Et que ça c'est un des tout petits paramètres parmi de très nombreux paramètres qui vont jouer sur une carrière qui est très périlleuse, très compétitive. Et où l'entrée dans cette carrière peut être très dure. Je crois que c'est ça les trucs sur lesquels il faut insister. Je ne cherche pas à décourager les gens à faire une doctorat, mais si on est découragé par ça, alors il vaut mieux s'arrêter tout de suite. Non, mais en fait, c'est pas une question de décourager. Je pense qu'en fait, tu as bien posé la question au début, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir avant de s'engager. C'est qu'il ne faut pas avoir de mauvaises surprises. Exactement. Il ne faut pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, ce qu'il faut expliquer, alors ça aussi, ça fait partie des naïvetés que j'avais en tant que jeune doctorant, mais je pense que c'est encore une naïveté qui se retrouve chez beaucoup de doctorants. Moi, je pensais qu'il suffisait de faire une bonne thèse. Ouais. Alors que pas du tout. Non, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Faire une bonne thèse, c'est pas la condition du recrutement. J'allais dire, c'est une condition suffisante, mais qui est loin d'être qui est loin d'être suffisante. Parce que des bonnes thèses, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et que des postes, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est peut-être par ça qu'on peut commencer. Ouais, exactement. Il y a peu de postes. Très peu de postes. Peu de postes. Beaucoup, de plus en plus de bonnes thèses. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le niveau des thèses en fait ne descend pas, mais augmente. Mm-hmm. Je parle du niveau des bonnes thèses. Ouais. C'est-à-dire que forcément, il y a plus de thèses, il y a plus de mauvaises thèses, mais simplement parce qu'il y a plus de thèses en général. Ouais. Mais il y a beaucoup de bonnes thèses. Et il n'y a pas plus de recrutement qu'avant. Il y a même moins puisque là, les directives ministérielles, les dernières décisions, c'est le non renouvellement d'un poste sur trois. Pour la retraite. Okay. Donc c'est quand même considérable. Pour donner un exemple de chiffres que les gens comprennent, à Aix, là, combien on recrute de maîtres de conférences chaque année? T'as une idée ou pas? Ah oui, ça je peux. Par exemple, l'année dernière, zéro. Zéro maître de conférence? Bon, alors c'était assez exceptionnel, mais il y a eu zéro personne, bien qu'il y ait eu des départs en retraite. D'accord. Hein, je précise. Donc, peut-être qu'en moyenne, chaque année. En moyenne, on peut dire qu'en moyenne, sur l'intégralité de la fac, ou là, par exemple, cette année, je ne veux pas dire de bêtises au conseil de fac parce que j'y suis pas, donc c'est forcément des échos que j'ai. Il y a deux ou trois postes, voilà, mais pas plus. Voilà. Les facultés de droit ont une spécificité de beaucoup promouvoir le recrutement local, ce qui se fait pas trop, ce qui est assez mal vu dans nos disciplines, Green, ce qui est interdit en mathématiques et c'est interdit dans beaucoup de pays à l'étranger. Aussi, oui. Mais en droit, ça se fait même beaucoup. Si on disait que sur ces deux ou trois maîtres de conférences qu'on recrute chaque année, il y a une grande partie qui ont fait leur thèse ici, on dirait que des thèses ici qui sont soutenues, il y en a peut-être 50 chaque année. Oui, grosso modo. Je pense qu'en rappelant que l'école doctorale, elle est gigantesque, celle d'Aix, parce que c'est 700 doctorants monodisciplinaires, droit privé, droit public, histoire du droit, mais c'est monodisciplinaire, droit. Ouais. Et peut-être la moitié qui abandonne la thèse. Alors ça, c'est difficile à chiffrer, il faudrait regarder les statistiques de l'école doctorale, mais c'est vrai que je crois qu'il faut alerter les étudiants que la première difficulté de la thèse, c'est de la terminer. C'est pas du tout une figure de style, puisque moi-même, en tant que directeur de thèse, j'ai connu des personnes qui ont abandonné
non pas pour des raisons en fait de compétences, c'était des personnes qui étaient compétentes, c'était d'ailleurs certaines personnes sorties premières de leur du master, donc elles avaient un financement également, mais pour des raisons en fait strictement psychologiques. Parce que le travail de thèse, c'est quelque chose de très difficile. Alors, on va revenir sur ça difficile. Juste après, parce que ça, c'est une deuxième chose qu'il faut connaître, c'est à quel point c'est dur, psychologiquement. Ah oui, c'est très dur. Juste pour finir sur l'aspect compétitif, là, grosso modo, ce qu'on dit comme ça, on va prendre d'autres statistiques après pour comparer, mais ce qu'on dit comme ça, c'est que grosso modo, sans avoir le chiffre exact, grosso modo, sur à peu près 100 personnes qui s'inscriraient en thèse, toutes disciplines confondues dans le droit ici, peut-être la moitié abandonne, peut-être deux ont un poste de maître de conférence ici, au bout de 6-7 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on peut le présenter aussi d'une autre manière. Ouais. C'est le fait de dire que parmi en fait, les personnes qui sont autorisées à présenter le poste de maître de conférence, donc qui sont qualifiées au CNU, en droit privé, il y en a 30%. Et que sur ces 30%, que 30% de gens qui ont eu le CNU. Voilà. Alors le CNU, pour les gens qui ne savent pas, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ça quand on est en master, c'est qu'après avoir soutenu sa thèse, on passe devant une commission où il y a deux personnes, on ne sait pas si la commission existera encore dans 10 ans, parce que chaque année, elle est mise en péril. Voilà, on propose de la supprimer pour plein de raisons, on ne rentre pas dans des débats de ce genre-là, juste on va expliquer comment c'est. Et pour l'instant, en tout cas, il faut que votre thèse, ensuite, soit examinée par quelqu'un d'autre, un membre de cette commission, et 30% des gens sont qualifiés. 30% ont le droit de candidater. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux tiers déjà qui, a priori, ne peuvent même pas présenter leur candidature devant n'importe quelle université. Des gens qui ont réussi à finir leur thèse. Et qui ont réussi à finir leur thèse, oui. Donc, qui ont pu avoir d'ailleurs une soutenance qui s'est très bien passée. Alors, il n'y a plus les mentions aujourd'hui, on ne dit plus. Félicitations du jury. On ne le met plus, mais. On connaît de très nombreuses personnes qui soutiennent la thèse à l'époque avec la mention maximale, donc très honorable avec félicitations du jury, et qui n'obtiennent pas la qualification. Voilà, donc une autre façon de le dire, parce que d'abord on a donné des chiffres un peu à la louche qu'on estime, on n'a pas les chiffres sous les yeux, mais c'est ce qu'on estime à peu près. Là, une autre façon de le dire, c'est qu'il y a à peu près 30% en droit privé de qualification et qu'ils n'ont pas tous le poste. C'est-à-dire que sur les un tiers qui sont qualifiés, moi j'estimerais simplement à tout juste un peu plus de deux tiers qui finalement obtiennent un poste dans les 4 ans. Dans les 4 ans, parce que ça ne dure que 4 ans. Dans les 4 ans, après avoir fini la thèse, sachant que la thèse en moyenne, 5-6 ans. Oui, en moyenne, je dirais oui. On est aujourd'hui, on est plutôt autour des 5 ans. Oui. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est en master aujourd'hui, et donc c'est là où ensuite on va basculer sur l'aspect psychologique, quelqu'un qui est en master aujourd'hui, qui veut s'inscrire en thèse pour être enseignant-chercheur, il est en train de se préparer à 10 ans, en gros. En train de voir que dans 10 ans, le taux normal, le taux moyen de gens qui arrivent à faire ce parcours comme prévu, c'est quoi? On ne sait pas exactement, mais 5%, 10%. Moi, je dirais oui, ça, quelque chose de réaliste, ce serait quelque chose, je pense, autour de 5-10%. De toute façon, on peut prendre les chiffres de l'agrégation aussi, je pense qu'ils sont très très parlants. C'est que l'agrégation, le nombre de postes ces dernières années était divisé par 2. Ouais. Donc, on est passé de quelque chose comme 28 postes tous les deux ans, donc 14 postes par an, de professeur, à quelque chose comme à peu près 16 postes. D'accord. Ça fait par an pour tout le pays. Non, tous les deux ans. Tous les deux ans pour tout le pays. Pour tout le pays. 16 postes pour tout le pays. Donc, ce qui fait 8 postes par an pour tout le pays de professeurs à l'agrégation. Ouais. Donc, où là, on n'a pas besoin de la qualification CNU pour la présenter. Mais bon, c'est un concours qui est très difficile, qui dure 9 mois. Qui demande en fait une très très lourde préparation parce qu'il y a une méthodologie très précise très très complexe qui nécessite beaucoup d'entraînement beaucoup et de codes à apprendre beaucoup de codes, énormément de savoir-être de savoir-dire, de savoir-faire de connaissances de culture bibliographique dans des champs de compétences en fait qui sont pas forcément les nôtres par exemple moi j'ai une des épreuves que j'ai passées, j'ai failli la rater parce que moi, j'ai jamais fait de droit pénal. Enfin, j'ai fait une thèse en droit civil. J'ai pas fait de TD en droit pénal. J'étais pas chargé de TD en droit pénal. Le problème, c'est que j'ai tiré un sujet. Il portait sur le droit pénal. Donc là, c'est comme ça. Là, c'était très dur parce que j'ai pas l'auteur. J'avais du mal à l'identifier. En plus, c'était un auteur du début du XXe siècle.
c'était Émile Garçon, je savais pas qui était le père, qui était le fils, avec Maurice Garçon. Enfin, ça m'a fait perdre des points, quoi, clairement. Bon, donc tout ça, il faut bien connaître, bien se préparer, et donc dire que le nombre de postes est en constante diminution. En plus de ça. Voilà. En plus de ça. Ce qui est important que les gens se rendent compte, que c'est de l'argent public hein, qui est mis, qui, où il n'y a pas de retour sur investissement direct, non. D'accord ? Et donc, il faut bien comprendre que si l'État a de l'argent à distribuer, l'éducation supérieure, c'est normal que ce ne soit pas sa priorité par rapport à l'état des hôpitaux, l'état des prisons, l'état des tribunaux, l'éducation au collège, etc. Et donc, parmi tous ces différents endroits dont l'État peut investir de l'argent, il ne faut pas s'attendre à ce que dans les 10, 20, 30 ans qui arrivent, la priorité soit donnée à recruter de nouveaux maîtres de conférences et professeurs par rapport à recruter de meilleures conditions, l'enseignement à l'école, etc. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un truc... Il ne faut pas s'attendre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en France, on a la dualité entre les universités et les grandes écoles. Et qu'aujourd'hui, c'est les grandes écoles, je crois, qui absorbent quasiment 75%, voire 80% du budget. De l'enseignement supérieur, donc ça il faut bien le noter. Ensuite, le droit n'est pas considéré comme une discipline comportant des innovations technologiques, à très juste raison. Donc les innovations. Il y a eu le code civil et depuis les innovations, ça s'est restreint. Les innovations elles sont conceptuelles, donc ça rapproche plus le droit de la philosophie que bien sûr des mathématiques, enfin peut-être pas, oui, des mathématiques, encore qu'en maths il y a des innovations conceptuelles, mais on va dire de la sociologie ou tout simplement de la science physique, des sciences empiriques, on va dire. Voilà. Et donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, s'il y a de l'argent qui va dans l'éducation nationale, aujourd'hui, à la suite de tous les rapports internationaux sur le niveau des élèves, ça va plutôt en fait vers le premier degré. Oui, bien sûr. Par exemple, il dédouble les classes de CP. Et d'ailleurs, honnêtement, c'est sans doute beaucoup plus utile à ce stade-là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ah oui, il faut prendre les choses à la base, oui. Je veux dire, ça me paraît d'ailleurs... Oui. Au contraire, moi, j'ai même l'impression que... Mais on ne va pas faire trop de prospective, mais que vu comment les choses évoluent, avec les MOOC, tu vois, les cours en ligne, de plus en plus de choses partagées, etc., au contraire, moi, je m'attends à ce qu'il y ait de moins en moins besoin d'enseignants avec de plus en plus de choses qui soient centralisées. Disons que je pense qu'on a besoin dans le futur d'enseignants surtout différents. C'est-à-dire qu'en fait on ne peut plus faire les cours comme on les a connus encore nous. Enfin, moi je fais partie d'une génération qui a la transition entre l'écrit et le numérique. Ouais. Et je pense qu'on ne peut plus dicter des cours, c'est fini ça. Ouais. Et que le cours maintenant il consiste en autre chose que le fait de dicter des définitions, des connaissances, des jurisprudences. Enfin, il devrait consister en autre chose que ça. Enfin, passons pas trop sur ça, on en reparlera à l'occasion. Ouais. Mais maintenant qu'on a dit ça, on a posé les bases avec en gros deux façons dont on peut le voir, soit à partir des chiffres des CNU, soit à partir du chiffre des recrutements qu'on peut voir ici. Après avoir mis les jalons comme ça, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que du coup, la thèse, c'est une épreuve, la thèse faite en vue d'être enseignant-chercheur, hein, c'est une épreuve psychologique qui est très dure. Oui. On a vu tous beaucoup de gens craquer, péter un plomb. La chose que j'aime bien dire aux étudiants pour leur faire peur, c'est que le livre le plus déprimant que je connaisse, qui est Sioran sur les cimes du désespoir, a été écrit par un doctorant, puisque Sioran était en thèse et il a écrit ça à la place de sa thèse. C'est un livre qui donne envie de se suicider. La seule phrase dont je me souviens de lui, c'est on ne se suicide jamais assez tôt. C'est un exemple, mais je veux dire, j'ai connu beaucoup de gens qui, sans aller jusque-là, mais qui craquent vraiment, parfois qui abandonnent alors qu'ils sont à 6 mois d'y arriver. C'est ça, qui font des dépressions. Complètement, il faut le dire. Oui. Voilà. Mais c'est une réalité. Alors moi, je pensais que c'était sous-estimé. Mais bon, moi, j'ai eu le cas de plusieurs doctorants qui n'ont pas fini pour des raisons psychologiques. Et aussi, ce que j'ai remarqué, ça vraiment, je veux que les étudiants l'entendent bien, c'est qu'ils pensent en fait qu'il s'agit de quelque chose de rhétorique. C'est-à-dire que d'emblée, on découragerait par principe les gens. Alors qu'on leur dit ça dans leur intérêt. Ah, oui, parce que nous, on est passé par là, on sait ce que c'est.
et même une thèse qui se passe bien. Et nous, on n'est pas comme une profession libérale. S'il y a plus de profs, ça nous fait pas de mal. Hein. C'est oui, pas, oui, voilà. C'est, oui. Les avocats peuvent décourager les gens en disant oh non, avocat, c'est oui, dur oui. parce que c'est sûr que s'il y a un autre avocat, il peut leur manger leur pain. Mais nous, on est très contents. Si, au contraire. Oui. Au contraire, moi, je trouve qu'on encourage beaucoup trop les étudiants. En fait. Quand on encourage, on a intérêt à ce qu'il y ait le plus de doctorants possible. Bien sûr. Parce qu'ils seront de meilleur niveau. Et parce que les doctorants font plein de petites tâches, c'est les petites mains à l'université, ils font plein de trucs où ils sont sous-payés, voire où ils sont pas payés du tout. Donc au contraire. Et puis ça compte pour les statistiques du laboratoire. Ah ouais, oui. Aussi compte. En plus. Donc au plus on a de doctorants voilà. qui soutiennent, au tout plus en fait on a de bonnes statistiques, au plus on a de financement. Ouais. Donc attention, c'est très important de savoir que les doctorants sont plutôt trop encouragés que pas assez. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers où les gens peuvent vous dire oh là, fais pas chauffeur de taxi. Parce que vous allez bouffer le boulot d'un autre chauffeur de taxi. Mais chez nous, c'est un peu différent. Au contraire, chez nous, plus il y a de doctorants, plus ça fait vivre le laboratoire. Complètement. Et donc, on a plutôt trop tendance à proposer des thèses à des gens qui n'en voulaient pas à la base, ou à présenter ça comme plus facile que ce que c'est. Et de toute façon, si vous êtes découragé par un podcast comme ça, Il ne faut pas faire de thèse. Parce que ce sera bien plus dur que ce qu'on dit là. Et puis même, je dirais aussi à tous ceux qui nous écoutent, si vous hésitez à faire une thèse, la réponse, c'est qu'il ne faut pas la faire. Ouais, c'est plutôt une mauvaise idée. Alors. Voilà, c'est que si vous hésitez, si vous avez une hésitation, c'est qu'il ne faut pas la faire. Parce que si on fait la balance des coûts et des inconvénients, enfin, avantages, désavantages, les désavantages vont largement les apporter sur les avantages. Un des inconvénients, c'est la précarité financière. Oui. Même si on est financé. Le mieux, c'est que les gens qui sont financés pour 3 ans. Pour 3 ans. Voilà. Ouais. Ça, c'est le mieux. Mais évidemment, il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas financés. Énormément. Mais même si vous êtes financé pour 3 ans, ce qui est le mieux, déjà, parfois, ça peut aller avec une contrepartie qui est un peu compliquée à gérer, où les gens peuvent vous demander des choses, etc. Et du coup, ça vous fait perdre du temps sur la tête. Plus, en général, on prend la clause d'enseignement, donc on fait des travaux dirigés. Qui et souligner que faire des travaux dirigés, il faut les préparer, et qu'en réalité, ça prend un temps. Corriger des centaines de copies par an. Corriger des centaines de copies, et que quand en fait, on fait les TD, en général, les 6 premiers mois, on ne touche pas à sa thèse. Non, on fait rien d'autre. On fait rien d'autre que des travaux dirigés, on est enseignant. Parce que même si on a 2 jours de libre dans la semaine, On prépare les TD. Oui. On n'a pas la tête à... Pas du tout. Et le week-end, on fait autre chose en général. Voilà. Ouais, donc, il y a ça. Ça va aussi avec. Donc, la précarité, c'est la première chose. Après, souvent, on peut enchaîner des contrats d'un an, 2 ans, comme les contrats d'ATER. Oui, c'est maximum 1 an, renouvelable une fois. Donc, très difficile. L'autre chose qui est difficile, c'est que ça amène à un décalage avec les gens de sa génération. Et en termes de finances dont on parle là, et en termes de plan de vie en général, avoir une famille, avoir des enfants, etc. Il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de ça, du fait qu'ils se retrouvent en fait à 30 ans, là où on commence sa vie à 30 ans. Ouais. Bon, moi par exemple, je voulais pas faire d'enfant avant d'avoir terminé la thèse, parce que je savais que ça me ralentirait pour faire la thèse, je pouvais pas les assumer financièrement, j'avais pas une position stable. C'est une limite. Et puis bien souligner aussi que la thèse, je crois qu'il faut, c'est important aussi de le dire, c'est un travail à temps plein. Donc qu'il faut pas s'imaginer qu'on va travailler et que sur le temps qui va nous rester on va pouvoir faire une thèse. C'est pas vrai, parce que quand on travaille toute la semaine, même à mi-temps, même à 80%, on va pas sacrifier tous ses week-ends, ne plus avoir de vie sociale, ne plus voir ses amis pour travailler la thèse, et le soir travailler sa thèse. C'est pas possible en termes de ressources psychiques. C'est tout simplement impossible. Donc en gros, c'est un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps, oui. Et donc, il faut penser que une fois que la thèse est soutenue, faire tout le temps qu'il faut pour trouver un poste, etc. Ça, on peut trouver d'autres choses. On peut faire d'autres choses. Oui, ça, on peut faire d'autres choses. Même s'il faut rester investi dans l'université, etc. Il ne faut pas trop s'en éloigner. Mais on peut passer à mi-temps, on va dire. Mais pendant la durée de la thèse, oui, c'est un boulot. C'est un travail à plein temps. Ouais. Qui demande en fait une attention psychologique permanente, et on ne pense qu'à ça. Et l'autre problème, alors psychosocial qu'on peut souligner, moi que j'ai vécu, je pense que toi aussi, c'est que en plus, en droit, c'est très difficile d'expliquer ce qu'on fait à d'autres personnes. Moi, je vois par exemple ma belle famille, ils se sont toujours demandé si j'avais vraiment un travail. Parce qu'en fait, on est encore étudiant.
qu'est-ce que c'est la recherche en droit? Ça paraît mystérieux, on manipule pas des éprouvettes, donc bon, c'est toujours assez suspect. Et on a ce problème, effectivement, de décalage avec toute une génération. Oui, c'est-à-dire quoi, décalage. Voilà, on va voir tous nos amis d'une certaine génération qui vont voilà, aller au barreau, devenir magistrat, se marier, faire des enfants. Et nous, acheter une maison. Acheter une maison, et nous, on n'a toujours pas fait décalage, ça. Décalage de 10 ans. C'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est très particulier. Et tout ça pour un... Alors, heureusement, en droit... Il y a des passerelles. Heureusement, ouais. Heureusement. Donc ça, c'est un truc quand même qui... Ça, c'est les bons côtés. Alors, oui, mais quand même, les bons côtés, avec quand même une sacrée nuance, parce que ne pas faire une thèse en pensant que ça va permettre d'intégrer directement l'école des avocats... Non, mais c'est vrai que pouvoir après, au moins rebondir on sur peut ça, rebondir, la magistrature, l'avocat, etc. Ouais. C'est vrai que bon, ça fait plaisir de voir, parce que sinon, c'est tellement dur psychologiquement, quand en plus les gens se rendent compte qu'ils n'auront pas de poste après. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui simplement se rendent compte au bout d'un moment que ça va devenir trop difficile après. Ils ne sont pas qualifiés par le CNU, par exemple. Mm. 70% de ceux qui ont réussi à soutenir sont pas qualifiés par le CNU. Exactement, ouais. Ou alors, ils sont qualifiés deuxième coup, mais après, les choses passent mal, il n'y a pas de poste qui s'ouvre pour eux, plein de choses. Et j'insiste sur le fait que ne sont pas aussi qualifiés des bonnes thèses, voire des très bonnes thèses. Ouais, parce que la qualification, ça dépend de deux rapports. Un rapport d'un professeur, un rapport d'un maître de conférence. Et que si un seul des deux rapports... Parce qu'en fait, on met des lettres. Hein, c'est A, c'est bon. B, c'est réservé, et c'est défavorable. En pratique, on met quasiment jamais défavorable. Mais donc, pour être qualifié, il faut un double A. Et les personnes qui ont AB sont très fréquentes. Il y a un vote, et souvent, le vote peut être défavorable. Alors que, donc, il suffit qu'une seule personne n'ait pas apprécié certains aspects, sachant qu'on n'est pas là pour la défendre en présentiel, la thèse. Sachant que la personne est en train de lire 80 thèses. Oui, un peu moins quand même. Non, mais elle en lit bien, elle peut en lire jusqu'à une... En à peine 2 mois, elle peut en lire quand même jusqu'à une trentaine ou une quarantaine. Ouais, ouais, c'est une thèse par jour, en fait. Une thèse par jour, voilà. C'est une thèse par jour. Sachant que la personne va lire une thèse par jour pendant 2 mois. C'est ça. Elle est à bout de nerfs. Ouais, et vous vous retrouvez dans des conditions où... Pour peu qu'un truc que vous fassiez soit un peu hors des clous, soit un peu original, soit c'est inattendu, on comprend pas trop, la personne n'a pas envie de chercher si c'est correct. Elle relira pas deux fois la phrase. Non, voilà. Bah, d'ailleurs, typiquement, moi, un des reproches qu'on avait fait à ma thèse, par une personne qui n'avait pas voulu me qualifier, m'avait dit, vous comprenez votre thèse, il faut vous lire en entier pour vous comprendre. Ouais. Sous-entendu, je ne peux pas vous lire en entier. Voilà, donc... C'est compliqué. Non, mais c'est... Donc, très dur psychologiquement. La solitude de la thèse peut être très dure. Là aussi, il y a des choses qu'on peut faire pour en sortir un peu. Les gens peuvent participer maintenant de plus en plus à des petits réseaux de recherche, des colloques. Des recherches collectives. Mais à chaque fois, ça prend du temps en plus, quand même. Ça prend du temps. Et puis, il y a un vrai problème de socialisation parce que le sujet n'intéresse que nous, n'intéresse pas forcément les autres. Ouais. Donc, même parler de son sujet avec d'autres chercheurs, C'est pas forcément... C'est quasiment une écoute psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de problèmes qui nous intéressent nous, mais qui n'intéressent pas forcément l'autre. Et donc, c'est vrai qu'il y a toute cette difficulté. Alors c'est vrai que ce qu'il faudrait inventer, c'est ce qu'on avait essayé de faire d'ailleurs nous avec l'atelier transdisciplinaire sur les objets et les méthodes du droit, c'est des rencontres régulières où on puisse discuter de manière j'allais dire décomplexée mais sans trop d'angoisse sur le résultat à avoir ou devoir faire bonne figure de problèmes méthodologiques de la thèse et voir aussi quelle est la réception. Je pense que c'est très important aussi de est-ce qu'on est capable de faire passer un message, parce que pour nous parfois ça paraît clair mais pas pour ceux qui nous écoutent, et ça c'est un des premiers critères sur lesquels est évaluée la thèse, c'est l'intelligibilité du propos. Avant le fond du propos, c'est tout simplement est-ce que c'est clair, est-ce que c'est compréhensible. Ça peut-être que ce sera peut-être l'occasion d'un des prochains épisodes. Oui. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire circuler celui-là et qu'on va demander, on va laissera une adresse dans le commentaire, bien sûr, une de nos adresses mail là, et qu'on demandera aux gens de poser des questions, typiquement étudiants de master 2 qui s'intéressent à faire une thèse, et comme ça on essaiera de voir est-ce qu'on a répondu à vos questions, ou si vous avez d'autres questions que vous posez, on peut les traiter dans un prochain épisode et voir quelles sont les questions naïves qu'on peut se poser avant de rentrer là-dedans. Ouais. Voilà, à bientôt. À bientôt.